Avec la balise, on va regarder les codes erreurs qui ont été générés dans l'ensemble des boîtiers électroniques du véhicule. Apparemment, il pollue assez. Et seule la balise diagnostique du constructeur pourra nous dire exactement d'où vient le souci. Certains transporteurs, chintent ce dispositif pour faire des petites économies ou pour éviter justement les réparations de ce système. C'est une forme aussi de concurrence déloyale vis-à-vis de tous ceux qui respectent aujourd'hui la réglementation. Donc il est absolument nécessaire que ces contrôles, se fassent.